Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ravie de vous accueillir si nombreux. Je pense que le sujet intéresse beaucoup. On va parler donc de l'écologie du langage de l'écologie, avec donc Noël Mamère, qu'on ne présente pas, enfin si, on le présentera quand même tout à l'heure. Stéphanie Bonnefille, donc, qui est l'auteur du livre « Les mots verts pour une écologie du langage ». Laure Noila, qui est ancienne journaliste à Libération et qui est auteure et qui réalise également des films. Et Monsieur Goldberg, Serge Goldberg, qui est Michel Goldberg, qui est enseignant à l'Université de La Rochelle. Stéphanie Bonnefille. Oui, bonjour. Donc, vous êtes enseignante chercheuse en linguistique au département d'anglais de l'Université de Bordeaux-Montaigne. Vos recherches portent notamment sur la construction des discours politiques sur l'environnement. Donc vous êtes l'auteur, ce que j'ai dit tout à l'heure, du livre « Noël Mamère, les mots verts pour une écologie du langage ». Vous avez donc mené des entretiens entre novembre 2014 et mars 2016. Votre livre est un décryptage du langage politique. Vous reprenez une longue série d'événements, vous posez les bases d'une écologie du langage à la recherche d'un récit qui n'existe pas, qui ne passe pas, que certains détournent sans vergogne pour aller jusqu'à ce qu'on appelle le greenwashing. Pour changer les choses, les écologistes doivent-ils changer les mots? On parle de nucléaire propre, de croissance verte. Tout à l'heure, pour ceux qui ont pu assister à la projection du film Les Sentinelles, on a même entendu quelque chose que je n'avais encore pas entendu. L'agriculture écologiquement intensive. Très beau. Donc, est-ce que vous pouvez donc nous parler de ce projet que vous avez mené donc, au cours de tous ces mois? Pourquoi est-ce que, en tant que linguiste, vous vous êtes intéressé à la politique et l'écologie? Et qu'est-ce que vous avez découvert? Alors, pour répondre à la question, disons que en amont de cet ouvrage, j'avais fait des recherches déjà plus académiques dans le domaine du discours. Donc, après avoir fait beaucoup de grammaire, de recherches en syntaxe, de choses qui ne m'épanouissaient pas, j'ai fini par m'intéresser au discours, et plus précisément au discours donc, de l'écologie, parce que c'est un thème qui m'anime, parce que c'est quelque chose qui vient de loin, d'une éducation, enfin de plein de choses personnelles, et puis après, plus, on va dire, plus en lien avec la société, ce qui se passe actuellement. Et donc, j'avais un... Peut-être aussi, et j'arrivais à un âge où j'avais un sentiment d'inutilité dans mes recherches, d'abord parce que je les trouvais fermées et je trouvais que je ne pouvais pas les partager. Et donc, voilà. Donc j'ai commencé avec les États-Unis. Je me suis intéressée, d'abord le point de départ, au discours de Bush des États de l'Union, qui ont lieu donc à chaque fois en début d'année. C'est une sorte d'exercice de style qui fait état de la situation des États-Unis, donc chaque année, du point de vue de l'emploi, du point de vue des retraites, du point de vue des énergies, de la politique énergétique, etc. Donc je me suis intéressée à ça et j'ai passé finalement au crible tous les passages qui avaient trait à l'environnement et aux énergies. Alors c'était un petit peu ironique effectivement de ma part puisque je savais bien que je m'attaquais, on va dire, à la mauvaise personne, mais précisément c'est pour ça que je voulais le faire, voir ce qui ressortait. Et ce qu'il en est ressorti en fait sur les deux mandats, donc les 8 discours de l'État de l'Union, c'est une obsession pour, alors le pétrole évidemment, ça je vous apprends rien, mais pour la dichotomie entre dépendance et indépendance énergétique. Donc en fait je me suis rendu compte finalement, et après je vais arriver à la France très vite, mais je me suis rendu compte effectivement que finalement, l'environnement était toujours instrumentalisé pour servir de porte d'entrée vers le discours sur les énergies et les politiques énergétiques. Bon, alors là, pareil, je vous apprends peut-être rien, mais au moins je l'ai vu dans les mots. Voilà, j'ai pu le démonter et le démontrer. Et donc, de là, cette histoire de dépendance et d'indépendance a été renforcée plus encore après les attentats du 11 septembre, où on s'est dit, où Bush a dit clairement qu'il fallait là que les États-Unis se défassent de cette dépendance face au Moyen-Orient, puisqu'ils mettaient en danger les citoyens américains sur leur propre sol. Donc ça a été parfaitement maîtrisé, instrumentalisé du point de vue de la communication. Je me suis intéressée de la même manière au discours de l'État de l'Union de Obama.
Et là, en fait, ce qui a primé, ça a été le discours de l'indépendance énergétique, puisqu'au moment où Obama est arrivé le boom de la fracturation hydraulique. Donc, en fait, c'était intéressant pour moi de voir, pour résumer très rapidement, ce glissement, comme par un coup de baguette magique, d'un discours très anxiogène de dépendance, d'Amérique junkie au pétrole, etc., à un discours de success story de la part d'Obama, où tout d'un coup, ben, on est assis sur une mine d'or, tout va repartir, et puis notre indépendance, on n'a aucune crainte envers cela, puisque nous avons tout sous nos pieds. Voilà. Ce qui vous a animé, c'est un peu la COP 21. Je crois que vous avez. Alors voilà. Donc pour revenir au livre, cette en fait, date dans le viseur. Voilà, il s'est avéré qu'au final, après avoir fait toutes ces recherches aussi sur la marée noire de 2010, la manière dont on a communiqué dessus, dont notamment l'agence de protection de l'environnement, qui marche main dans la main avec la Maison Blanche, a communiqué là-dessus, etc. Enfin, après avoir fait tout ça, m'être familiarisé avec le concept de greenwashing, je me suis dit, la COP 21 arrivait, et puis j'avais envie de voir ce qui se passait aussi sur le sol français, et de sortir de l'université. Et comme pour moi, comme je l'explique dans l'introduction, la voix la plus audible sur le plan de l'écologie politique était donc Noël Mamère, eh bien je me suis saisie de l'occasion de m'être installée à Bègles entre-temps. Comme je l'explique dans mon entretien, je ne suis pas venue à Bègles pour Noël Mamère, je tiens à le préciser. Et donc finalement, les choses ont convergé. Ça n'a pas été une histoire d'opportunité du tout. En fait, les choses ont convergé d'une façon qui m'allait très bien. Et on a fait un premier entretien. J'ai rencontré Noël et je lui ai dit, voilà, je souhaiterais vous parler de mes recherches, ce que je vous ai évoqué au début de cet exposé. Et Noël m'a dit, mais écoutez, ça m'intéresse, venez, on en parle. On a échangé et vraiment de manière suffisamment construite pour que j'en fasse une transcription. Et cette transcription a donné un premier chapitre. Et une fois que c'était écrit, j'ai écrit à Noël ma mère, je lui ai dit, voilà ce que ça donne. Et je ne savais absolument pas, en le voyant la première fois, que je souhaiterais faire un livre. J'ai dit, voilà, on se lance, si vous êtes disponible. On a la COP 21 dans 2 ans. Je vous propose de vous voir à intervalles réguliers, en mettant en toile de fond systématiquement l'actualité. Et on suit ça. Et on prend, donc, j'ai eu la possibilité de travailler sur un temps long grâce à la disponibilité de Noël. Donc ça a été un luxe, en fait. À plusieurs titres. Vous datez tous vos entretiens, c'est exprès? Qu'est-ce que vous... Oui, on s'est posé. Enfin, moi, je me suis posé la question de savoir si finalement je regroupais tout après de manière thématique. Je me suis dit, mais les choses ne se sont pas passées comme ça. En fait, j'avais plus envie que ça prenne le tour d'un dialogue. Au début, c'était une sorte de... Je posais des questions et je m'interdisais quelque part de réagir. Et en fait, le dialogue s'est vraiment très bien installé, me semble, à un point où toi-même tu m'as encouragée à dire, mais non, il faut que, en fait, dans tes questions, tu prennes l'espace que tu as pris pendant les entretiens, puisqu'au final ça a tourné au dialogue entre une linguiste et un homme politique issu de l'écologie, quoi. D'accord. Noël Mamère, il y a plein de questions qu'on a envie de vous poser. Justement, vous, comment vous avez accueilli cette proposition d'échange avec quelqu'un qui n'est pas journaliste, qui est linguiste? Est-ce que vous en attendiez quelque chose ou pas du tout? J'ai été journaliste et je suis confronté souvent aux journalistes. Donc je me suis dit que c'était intéressant de sortir de ce périmètre, qui est finalement assez limité, parce que les questions sont souvent limitées à de l'actualité. On ne contextualise pas les événements. Et donc ce qui m'intéressait, c'est d'être confronté à quelqu'un qui a une démarche universitaire, mais au-delà, c'est ce que vient d'expliquer très bien Stéphanie, et une démarche d'exigence intellectuelle, ce qui m'a obligé, en tout cas je l'espère, j'espère que ça apparaît à travers ce livre, à sortir justement du réflexe de l'actualité et de la réaction à des événements ou à des questions, pour entrer un peu plus loin dans la problématique de l'écologie et pour essayer d'en dessiner, à grands traits peut-être, ce qu'est notre projet. Mais c'est moins l'homme politique qui était en face de Stéphanie Bonnefille qu'un écologiste qui croit à ce projet depuis longtemps, depuis l'âge de 20 ans. Et donc, c'était aussi un exercice de réflexion. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'adhésion vraiment à l'écologie? Est-ce qu'on peut qualifier les écologistes de marchands de catastrophes? Qualifiez vous-même, enfin, vous vous dites des choses dans le livre justement par rapport à ça. Comment vous expliquez le fait qu'aujourd'hui, par exemple, on est en plein dans cette actualité puisque les élections présidentielles vont avoir lieu dans pas longtemps,
l'écologie, enfin, faut quand même tendre drôlement l'oreille pour en entendre parler. C'est vrai, mais je crois qu'il faut pas s'arrêter à ce qui se passe aujourd'hui. On jette l'écologie comme si on jette le bébé avec l'eau du bain, je pense que c'est une erreur. Vous avez, je crois, comme invité hier, une juriste qui s'appelle Valérie Cabanès, qui travaille depuis longtemps sur la question de l'écocide, et qui vous a sans doute dit hier que le Parlement de Nouvelle-Zélande avait acté la reconnaissance d'un fleuve mythique dans la culture des Maoris, ce qui est un pas très important sur la reconnaissance des droits de la terre. Elle a dû sans doute vous parler du combat des Indiens contre le parage de Belo Monte et bien d'autres exemples comme cela. Il se trouve que dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises et qui vont dans le sens d'une prise de conscience de ce que l'homme n'est pas le maître de la nature, contrairement à ce que nous avons hérité de Descartes, mais qu'il n'est qu'un des éléments de la nature, et que s'il n'y prend pas conscience de s'il n'a pas cette modestie par rapport à son entourage, comme le dit très bien le philosophe Bruno Latour, il courra à sa perte. Oui, c'est vrai que j'appartiens à la génération d'écologistes qui a été considérée comme des marchands de catastrophes. Mais en même temps, ma génération a contribué à ce que les idées des écologistes entrent quand même dans la société. Mais on ne peut pas comparer la prise de conscience planétaire, et c'est un des aspects positifs de ce qu'on appelle la mondialisation d'ailleurs. Le slogan des écologistes, c'est « nous n'avons qu'un seul monde ». Et parce que nous n'avons qu'un seul monde, ce monde doit être solidaire. Et donc je pense que ça, ça entre de plus en plus dans l'esprit des gens, de ce qu'on appelle la société civile, même s'il y a aujourd'hui des forces extrêmement puissantes, qu'elles soient des forces privées, des groupes comme Monsanto, des multinationales, des États qui les soutiennent. C'est tout ce qui tourne autour de ces sujets que nous connaissons, comme l'extractivisme et tout ce qui contribue à créer cette société de ces modèles de voracité dans lesquels on se trouve. Mais il y a des gens qui résistent à ça. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a plus des raisons d'espérer que de désespérer. Mais en même temps, vous me dites, on n'entend pas les écologistes durant ces élections présidentielles. Non, mais ça, c'est pour des raisons, j'allais dire, qui sont des raisons accidentelles. C'est lié à nos propres turpitudes. C'est lié au système électoral. C'est lié au fait que les Français sont beaucoup plus préoccupés par, pour beaucoup d'entre eux, par la question du chômage, par la question des inégalités, et qu'ils ne voient pas que l'écologie, elle parle de l'avenir, et donc c'est très immatériel. Mais je dirais, je le dis souvent, mais on est dans une société de la simplification, qui a été augmentée, d'abord sur laquelle les politiques surfent allègrement, et qui a été, par exemple, accéléré par les réseaux sociaux, hein, qui sont des réseaux de grégarisation, si je puis dire, où on partage la même idée, puis elle se répète en boucle, jusqu'au complot. Et puis les télés d'information en continu, qui oublient le mardi ce qu'elles ont dit le lundi, et qui ont besoin, comme d'un carburant, d'événements, de pseudo-événements d'information qui se succèdent. Et donc ça contribue à, finalement, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un de mes maîtres à l'université de Bordeaux, qui s'appelait Jacques Ellul, qui l'a très bien expliqué, non pas dans La technique ou l'enjeu du siècle, mais dans un autre livre qui s'appelait Propagande, et qui vous expliquait que, par exemple, on accumule les éléments techniques pour faire de la publicité d'une voiture, mais on les accumule tellement, il y en a tellement qu'au bout du compte, on dit la bagnole c'est vachement bien, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, on ne regarde plus les programmes des candidats aux élections présidentielles, c'est une espèce de sentiments comme ça qui se dessinent. Tout ça pour dire que les écologistes, en tout cas ceux qui sont sérieux, entre guillemets, se sont toujours attachés à expliciter la complexité du monde. Et dans un monde de la simplification, c'est très difficile. Et le champion de la simplification, c'est pas Sarkozy, ça l'a été, mais avant lui c'était Bush. Le mal
contre le bien, quand il a lancé le bien contre le mal, quand il a lancé la guerre en Irak. Ben non, le monde n'est pas partagé en deux, le monde n'est pas binaire, il est beaucoup plus complexe. Voilà. Il y a beaucoup plus simple aujourd'hui, il y a Donald Trump qui dit « je vous emmerde ». Oui, alors ça, c'est une façon, mais comme l'a très bien dit Hulot dans l'IB d'hier, il nous emmerde, mais c'est un criminel contre l'humanité en même temps. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder. Donc, moi, j'entends bien tout ce qu'on dit sur les écolos, on est nuls. Oui, c'est vrai. Mais il y en a d'autres qui préparent un monde différent. Et c'est à cela qu'il faut s'intéresser. Hein, l'histoire des écologistes français au regard de l'histoire, hein, c'est une demi-seconde. Stéphanie Bonnefille, avant de passer la parole après à Laure Noyla, je vous la présenterai. Le discours écologiste, comment vous le ressentez ? Enfin, il y a plusieurs discours, il y a un discours, comment... Juste avant de répondre à votre question, Frédéric, en fait, c'est vrai que moi, ce qui m'anime beaucoup, ce sont les tropes, hein, c'est-à-dire les figures de style et notamment les métaphores. Et donc, j'ai noté celle d'Emmanuel Macron qui est sortie le 14 mars, je me rappelle bien, c'est la veille de mon anniversaire. Je n'ai pas fondé une maison d'hôtes, hein, en référence à tout l'afflux trop important de soutien. Voilà, donc moi, c'est le genre de choses qui m'amuse et qui dit beaucoup derrière, en fait, hein, ces tropes de maison d'hôtes ou le slogan d'Amon, faire battre le cœur de la France, qui est une métaphore et une métonymie en même temps. Enfin, c'est pas le langage imagé pour frapper l'esprit. Voilà, moi, ce qui m'anime en tant que rhétoricienne plus que linguiste. Alors, justement, les solutions, personnellement, enfin, aujourd'hui, je, en tant que linguiste ou rhétoricienne, je n'ai pas de solution. Ma spécialité, ça n'est pas la com en soi, même si petit à petit, peut-être que c'est quelque chose qui va venir et se mettre en place, une com, on va dire, positive, pas une com pernicieuse, comme nous en parlions toutes les deux. Hein. Je pense que sans communication, ça fonctionne pas. Et je crois, d'ailleurs, Noël le sait, je trouve que effectivement les écologistes sont mal armés pour communiquer plus que d'autres. Et c'est vrai aussi aux États-Unis. Il n'y a pas de récit. Et c'est vrai aussi aux États-Unis, il n'y a pas de récit, alors que le Front National a trouvé son récit. Je veux dire, enfin, c'est coupé à travers champs, excusez-moi, mais c'est vrai. Est-ce qu'il devrait utiliser le storytelling ? Alors, le storytelling, c'est problématique. Donc ça, c'est une notion qui a été travaillée beaucoup aux États-Unis et qui a été retravaillée ensuite par Christian Salmon, qui a eu l'honneur de nous faire cette préface. Mais le storytelling, en réalité, c'est la projection d'une structure de récit sur des faits. Donc, le récit en soi n'a rien de pernicieux. On raconte tous un article, c'est aussi une structure narrative. Aller chez le psy, essayer de voir un petit peu ce qui se passe, c'est une structure narrative. Je veux dire, la structure narrative, elle est partout. Quand vous parlez de l'enfant boomerang, cet enfant qui part, qui essaie de travailler, puis finalement revient chez ses parents parce qu'il a perdu son emploi, il y a une structure narrative derrière, alors que vous avez juste une structure non-adjective, quoi. Bon. Donc, le récit, pour moi, c'est pas un problème, on en a besoin. Je veux dire, Barthes avant moi l'a dit, et d'autres encore. Mais le storytelling, c'est effectivement un récit qui est pernicieux et qui est dangereux, parce que la visée c'est une arme rhétorique ultra puissante. Hein, c'est effectivement pas les ressorts du storytelling qu'il faudrait activer. Mais par contre, on a du beau storytelling concernant le nucléaire. Alors là, ça, il n'y a pas de problème. Ouais, allons-y. Donc justement, importante dans votre. Voilà, donc au-delà de métaphores, moi, qui m'animent, comme le gendarme du nucléaire pour la SN, le sarcophage, l'arche. Le cimetière radioactif, rajeunir les centrales, ça m'a donné lieu à un travail universitaire sur donc les nucléaires et le nucléaire et rajeunir. Surtout, c'est très d'actualité. CIGEO, qui est donc le centre d'enfouissement des déchets, qui promeut la transparence, la réversibilité et qui également décrit son centre comme laboratoire souterrain de l'ANDRA, donc un laboratoire souterrain, là où sortir du nucléaire, eux l'appelleront poubelle nucléaire. Et donc la cuve actuellement qui pose problème, la construction, la fabrique de la cuve de l'UPR de Flamanville, j'ai relevé précisément pour venir ici parce que je me disais que c'était une manière de sourire devant ce drame en fait. Les termes que j'ai relevés sont anomalie, manque de fiabilité, faille dans le fonctionnement, écart constaté,
pas conforme. Voilà, donc on a tout ce vocabulaire qui tourne autour de cette réalité dont on ne sait en fait que faire, hein, ce vocabulaire. Voilà, et puis pour clore sur le nucléaire, le symbole de la réactivité, radioactivité que vous connaissez tous, là, avec ses trois pales, etc., ça s'appelle une pâquerette ou trèfle radioactif. Bon, donc le storytelling au niveau du nucléaire, je peux vous dire, il est très bien ficelé. Alors pourquoi effectivement, en face de ça, tout ce qu'on a comme récit à proposer, enfin, on a... Quoi, ceux qui pourraient être audibles, c'est quoi? On a essayé la spiritualité, ça n'a pas forcément porté ses fruits. Ça, c'était beaucoup lorsque l'encyclique est sortie. Nicolas Hulot en a fait partie. On a eu le récit guerrier, hein, avec Hollande qui faisait la guerre au climat, avec l'appel de Mani, etc. On a l'histoire, d'ailleurs, contenue dans une seule phrase proposée par Nicolas Hulot, sous Chirac, notre maison brûle et on regarde ailleurs. Donc, en fait, tout un tas de discours qui ont été effectivement activés. Un des plus, je trouve, regrettablement tordus, pour moi, c'est celui de la décroissance, parce que je trouve que sur le plan représentationnel, ça fait peur, apparemment. Voilà, ça fait peur. Qu'est-ce que ça évoque, justement, quand on dit quand on parle de décroissance? Alors moi, j'ai pas fait de micro-trottoir, d'ailleurs, ça me permet de dire que j'ai trouvé cette initiative vraiment agréable à regarder. Et d'ailleurs, dans le micro-trottoir, on voit bien que finalement, on a quand même un vide au niveau discursif, quoi. Non pas parce qu'il y a un manque d'intérêt, mais parce qu'on ne sait pas comment mettre les choses en mots, paradoxalement. Ça urge et les mots ne sont pas là ou sont détournés. Donc, quelle était la question? Oui, la décroissance, qu'est-ce que ça évoque? La décroissance, qu'est-ce que ça évoque? Ben, disons que le fait de décroître, on peut imaginer... Alors, c'est paradoxal, parce que si vous pensez à un slogan comme « small is beautiful », ça fonctionne. Ça, comme on le disait avec Noël en venant, ça fonctionne moins en français. Ou « less is more » fonctionne aussi. « Moins, c'est plus », qui ne fonctionne pas en français. Moins, c'est plus, c'est pas très glamour. Less is more, on ne sait pas pourquoi ça fonctionne. Mais la décroissance, le fait de décroître sur le plan représentationnel, dès lors qu'on n'a pas de connaissances en biologie très avancées ou quoi, décroître. On n'a jamais vu une plante peut mourir, une plante est quelque chose qui décroît. Ça pose un problème, en fait, hein, pour aller à l'inverse de la croissance, donc par figure d'opposition. On choisit cette idée de décroissance, donc d'aller plutôt non pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Bon, la chute est vertigineuse, quoi, sur le plan représentationnel. Oui, mais en même temps, c'est vrai que ça risque d'être c'est une erreur concept, sémantique. Mais objectivement, on est en décroissance des flux, notamment de l'énergie. C'est prendre conscience que notre planète a des ressources limitées. Donc le but poursuivi par les décroissants est un but... tout à fait louable et très intéressant. C'est peut-être le mot qui fait peur. C'est le mot qui fait peur. Oui, c'est le mot qui fait peur. Quand les écologistes, on a inventé travailler moins pour travailler tous, celui qui est au chômage, il dit, mais qu'est-ce que ils sont gentils, qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc ce sont des slogans, effectivement, qui essaient de traduire un projet, mais qui quelquefois peuvent être contre-productifs. Et pour revenir au nucléaire, Stéphanie a oublié un mot qui est quand même assez génial dans l'imposture du corps des mines qui a la haute main sur l'énergie dans ce pays et qui a poussé au développement du nucléaire. C'est que pour prolonger la vie des centrales nucléaires qui sont arrivées à leur terme, moi j'appelle ça des soins palliatifs, eux ils appellent ça le grand carénage. Oui, effectivement. Comme si on pouvait comparer une centrale nucléaire à un bateau. Donc je sais qu'on déconstruit les bateaux dans des pays comme le Bangladesh dans des conditions absolument insupportables. Enfin, on peut dire qu'objectivement, un bateau qui est l'objet d'un grand carénage, ça n'a pas les mêmes conséquences qu'une centrale nucléaire. Il suffit pour s'en convaincre de regarder ce qui s'est passé à Tchernobyl ou à Fukushima, parce qu'il faut prendre conscience d'une chose. C'est que lorsqu'il y a survient un accident nucléaire, il n'y a pas d'après. Il n'y a pas d'après. C'est-à-dire que des zones entières de la vie des humains comme des végétaux, de toute vie, sont sanctuarisées pendant des centaines d'années. On ne peut pas y revenir.
Ce qui a fait la, juste la force, en fait, il me semble, en partie, du storytelling du nucléaire, il y a deux choses. La première, c'est que je parlais tout à l'heure de dépendance et d'indépendance. En réalité, je me suis donc rendu compte que cette dichotomie de dépendance et d'indépendance, on était en plein dedans, nous aussi en France, à partir des deux premiers chocs pétroliers de 73 et de 79, où finalement, avec le plan Messmer, le tout nucléaire, vous vous rappelez sûrement tous de la publicité en France, on n'a pas d'idées, mais on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, qui était en fait une promotion de la mise en place du nucléaire. Et donc... Donc premier point fort, c'était sur le plan com, vendre le nucléaire comme étant une indépendance. Or, comme Noël pourra l'expliquer bien mieux que moi si jamais on a le temps, l'uranium n'est absolument pas, ne provient absolument pas de la France. Donc en réalité, on est dans une logique de dépendance et non pas d'indépendance. Première chose et premier point ambigu. Deuxième point ambigu, en fait, sur lequel, me semble-t-il, la com surfe au niveau du nucléaire, c'est que le nucléaire est une énergie fossile, mais non carbonée. C'est pour ça qu'on peut en parler de nucléaire propre. C'est en ça que moi, en tant que linguiste, je peux intervenir en disant, bon, on n'est pas, bien évidemment, dans des énergies renouvelables, mais en fait, on a une espèce de continuum où on a les énergies dites fossiles et clairement identifiées comme telles, les énergies renouvelables, et puis, au milieu, ce flou artistique qui permet de parler donc de nucléaire propre, puisqu'encore une fois, c'est une énergie fossile, oui, mais décarboné à l'opposé du charbon ou du pétrole. Et donc ça, me semble-t-il, ce sont les deux brèches dans lesquelles peuvent s'engouffrer le discours. On ne peut pas parler d'énergie linguiste propre quand ça produit des déchets qui peuvent durer des centaines d'années. C'est bien pour ça que vous parlez de CIGEO. On va aborder l'écologie différemment maintenant, parce qu'on accueille donc Laure Noëlla, ancienne journaliste à Libération, et vous êtes également l'auteur de la minute de Bridget Kyoto. Vous écrivez ces minutes avec Éric Blanchet, qui est également dans la salle. Bridget Kyoto, vous vous présentez comme la veuve du protocole de Kyoto, qui compte ses kilos de CO2. Donc vous allez nous raconter ça, parce que vous avez effectivement une façon un peu particulière de parler de l'écologie. Mais voilà, au-delà de ça, est-ce que, en tant qu'ancienne journaliste, vous pensez que vous avez aussi une responsabilité dans le langage de l'écologie ? Ah ben moi, j'ai cru que j'en avais une, ouais. En étant journaliste à Libération au service Terre pendant une quinzaine d'années, je pensais qu'en écrivant chaque jour sur cette catastrophe, déjà, bon, à part le fait de me prendre quand même la dépression écologique en pleine face, parce qu'on se la prend quand même tous un petit peu aussi quand on s'intéresse à ces sujets-là et aux limites que ça pose, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'effets. Et ben, il y a eu plusieurs époques, plusieurs cycles, plusieurs storytelling. Et moi, contrairement à vous, je pense que la catastrophe, elle est hyper utile dans le storytelling. D'ailleurs, moi, enfin, je l'aime, la catastrophe. Je l'embrasse, la catastrophe. Je l'embrasse à pleine bouche. Enfin, parce que, en fait, quand vous avez la crise du pétrole, hop, vous avez, on se lance dans les économies d'énergie. Quand l'énergie monte, on se lance dans les économies d'énergie ou dans une transition énergétique dont on considère qu'elle est subitement utile. Après, quand on a Fukushima, moi, j'attendais finalement Fukushima. Il y a un Bridget Kyoto sur Fukushima. Vous avez trouvé ça atroce, mais j'étais psychanalytiquement ravie de Fukushima, parce que entre Tchernobyl et Fukushima, il se passe tellement de temps qu'on a oublié Tchernobyl, on a oublié Mayak en 57, on a oublié Three Mile Island, qui, bon, il n'y a pas eu de rejet, mais très bien, on a oublié ce danger-là. Et finalement, quelque part, la catastrophe, elle sert de socle tangible. Alors, on a envie que ça se passe ailleurs, c'est sûr, mais ici, on a eu Xynthia. Bon, on a oublié Xynthia, il faut encore probablement... Ben, on a oublié, on n'a pas oublié. Je sais bien qu'ici, tout le monde est très, très concerné. Mais je trouve qu'elle a une... ouais, enfin, quelque chose d'assez nécessaire, quoi. Voilà, pour avancer, pour changer. C'est un déclencheur. Il y a un philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis, qui a écrit un livre qui fait référence à ce que dit Laure, qui s'appelle « Le catastrophisme éclairé ». C'est-à-dire, le fait de savoir qu'on peut courir à la catastrophe nous pousse de temps en temps, surtout lorsque la catastrophe arrive, à engager des politiques qui n'ont pas simplement pour but de répondre à cette catastrophe, mais qui peuvent devenir pérennes. Émile Cioran nous engage vers un autre modèle.
Émile Cioran disait la même chose sur le suicide. L'idée même du suicide me protège du suicide. Finalement, c'est ça. Et non seulement ça engagerait sur des politiques, mais ça nous aiderait tous à intégrer. Enfin, pour moi, l'écologie, hein, c'est un deuil. Voilà, c'est un deuil qu'il faut faire. C'est le deuil du « just do it »,« yes, we can ». C'est le deuil du XXe siècle où « je veux ça, je l'ai ».« Je veux ça, je peux l'obtenir ». Suffit que j'ai un bon salaire et un peu d'argent et un peu de croissance dans mon compte en banque personnelle pour pouvoir aller consommer. Ça, c'est ce deuil-là qu'il faut faire. Or, le cycle du deuil, pour ceux qui ont eu le malheur, enfin, en tout cas, le réalisme de vivre un deuil, on passe par la sidération, le déni, on ne veut pas y croire. La schizophrénie, on sait que ça existait, mais on n'y croit quand même pas et on est dans une dissonance. La dépression, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas faire comme si on ne le voyait pas. Puis après, il y a la résilience, on se reconstruit, on va vers ceux qui ont connu cette épreuve, etc. Appliquer ça à la question de l'écologie, sidération. Tous les voyants sont au rouge et quand on commence à regarder de notre assiette à notre bagnole, etc., faut qu'on arrête de vivre. Bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre dans le déni. Non, je suis désolée, je vais avec mon chéri à New York et je vais prendre l'avion et je vous emmerde. Bon, après, derrière, qu'est-ce que je fais ? Je mange un gros steak. Non, l'avion, quand je regarde mon steak et que je vois que c'est 15 litres de pétrole et 15 000 litres d'eau, c'est pas possible. On peut plus vivre comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on rentre dans une forme de... On entend, j'ai encore entendu ce matin des discours des hommes politiques qui sont relativement puissants dans ce monde dire que c'est pas du tout ça, le problème du réchauffement climatique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui sur Terre. Enfin, c'est quand même... Non mais à ceux qui sont passés dans la post-vérité, j'ai même pas envie d'en parler. Quoi. Oui. Parce que là, on les entend fort, mais c'est vrai, il faut en parler quand même. Il faut pas les nier, il faut pas rentrer dans le déni. Bon. Mais bon, je voulais finir avec cette idée de dépression. Finalement, ce que je reproche un peu à l'écologie politique, c'est qu'elle n'a pas finalement embrassé le projet collectif de la dépression collective. Faut nous emmener ensemble vers une dépression et nous dire les choses vraies, parce qu'on est grand finalement, et on peut le comprendre pour ceux qui se lancent dedans. Nous, on manque un peu de, non pas d'un berger ou d'un Pierre Rabhi, mais de gens adultes on va mettre les mains dans le cambouis, et les mettre dans le cambouis, c'est un peu les mettre aussi dans ce deuil à faire, quoi. Voilà. Tu as dit qu'il faut des catastrophes pour qu'on se lance dans la transition énergétique, par exemple. D'ailleurs, je rappellerai au public qui est là que sous la pression des lobbies, ce qui devait être simplement une loi qui s'intitulait « Loi sur la transition énergétique » est devenue « Loi pour la transition énergétique et la croissance verte ». Ne l'oublions pas, et que cette loi n'est pas une loi qui engage des politiques publiques, ce n'est pas une loi de programmation, c'est une loi pétrie d'intentions. Mais regardez Fukushima, c'est une des plus grandes catastrophes nucléaires qui soit arrivée et qui continue, avec en plus des conséquences qui ne sont pas simplement environnementales, mais avec des gens qui ont été déplacés, qui ne pourront jamais revenir chez eux, et qui aujourd'hui sont stigmatisés et discriminés par le reste de la population japonaise parce qu'on considère qu'ils sont dangereux pour porter des radiations, pour être irradiés. Et il y a même des jeunes, qui se disent, c'est très important dans la culture japonaise, qui se disent « jamais je pourrai me marier parce que jamais on acceptera de se marier avec moi puisqu'on me considérera comme dangereux ». Fukushima, catastrophe terrible, le Premier ministre d'aujourd'hui veut relancer le programme nucléaire. Donc on a une capacité aussi d'oubli des grandes catastrophes, et on se relance encore dans des choses qui sont aveugles et qui amènent, qui effectivement peuvent amener à la catastrophe. Donc c'est vrai qu'on a des capacités d'amnésie qui sont très grandes, au nom d'ailleurs de croyances qui n'ont rien à voir avec la raison, comme toutes les croyances. Et le nucléaire, de ce point de vue-là, est... Mais d'où l'effort de pédagogie. Et nous, on pensait que par cet humour-là, on allait quand même à toucher un plus large public. Et en fait, on s'est très... Notamment ma mère, par exemple, qui est un peu mon étalon. Je suis convaincue, ouais. Ça tombe bien, t'es là, maman. Donc, je pensais qu'on allait réussir à toucher. Donc, c'est là, elle est bonne. J'y pense à chaque fois, je la vois jamais venir.
Ben, c'est ça, voilà, la catastrophe. Est-ce que vous continuez On n'a pas réussi à toucher un large public qui n'était pas au vert. Parce qu'on utilise finalement des codes qui rassurent plus les gens déjà initiés, qui ont déjà les codes, qui ont déjà la culture, qui ont déjà réfléchi à tout ça, et on fait rire avec des notions qu'il faut avoir. L'humour, vous savez, c'est quelque chose qu'on partage en commun. Voilà, et donc on s'est un petit peu planté là-dessus, mais on est ravis de faire plaisir et de faire rire les 15 000 followers sur Facebook qu'on a et qu'on alimente tous les jours avec de la mauvaise bonne nouvelle. En rencontrant certains collectifs à l'issue de la parution de ce livre, je m'y étais préparée, mais on m'a quand même fait comprendre gentiment que finalement la problématique du climat dans la pensée écolo, c'est un peu une préoccupation de bobo, quoi, en 2017. Voilà, mais c'est important de l'entendre aussi, plutôt que de plier en boutique en disant « bon, ok, ça va, prof de fac, c'est bon, j'ai compris ». Non, c'est important de l'entendre et de dire « oui, c'est vrai ». C'est vrai que, bon, c'est bien en tant que maître de conférence de s'intéresser, mais l'écologie, en fait, et d'ailleurs, Nicolas Hulot actuellement... comme d'autres qui l'avaient dit avant lui, avec son appel des solidarités, précisément ce qu'il utilise comme mot. Vous m'aviez dit que vous aviez regardé cette émission, Noël, tu l'as vu aussi. Donc c'était autour justement du programme social, tu en parleras mieux que moi. Mais voilà, donc là aussi, je ne sais pas, Bridget, si dans Bridget Kyoto, ce sont si au-delà du climat et des énergies, d'autres choses dans l'univers plus large de l'écologie politique sont abordées. Parce que c'est vrai que déjà, climat-énergie, c'est hyper réducteur pour la question de l'écologie. C'est une question ouverte, bien sûr. Ouais, bien sûr. Il y a l'effondrement des ressources, il y a ce qu'on mange, il y a comment on consomme, il y a l'oxymore, puisque finalement, vous travaillez sur l'oxymore permanent, y compris dans nos réflexes, la schizophrénie, la dissonance dans laquelle on est. Je veux dire, on a tous un petit Donald Trump en nous. Faut pas croire qu'en épinglant Donald Trump, comme ça au mur en se disant bah tiens c'est lui quand même qui est pas cool. Moi François Hollande en octobre 2016 refuse de fermer 4 centrales à charbon en France parce qu'il y a un sondage à l'emploi de la CGT qui dit il y aura 5000 mecs sur le carreau donc on ferme pas les centrales à charbon. Bah, s'il était dans la guerre contre le climat, il serait dans la guerre également, enfin pour le climat d'ailleurs, parce que la guerre contre le climat c'est... Il ne serait pas allé en Alberta. Il ne serait pas allé en Alberta, etc. Là où on exploite etc., les sables bitumineux qui ont des conséquences sur les peuples premiers, donc ça, les questions d'environnement ont toujours des conséquences sociales et sur la dignité des personnes, tout simplement parce que Total est intéressé par ça, par les sables bitumineux, alors qu'on a interdit la fracture hydraulique. La fracturation en France. Voilà, donc c'est vrai qu'on est dans des contradictions qui sont importantes. Pour faire référence à ce que dit Laure, parce que moi je trouve qu'un Bridget, son Bridget Kyoto, c'est nécessaire. C'est nécessaire d'aborder ça par l'humour. D'accord. Mais avec plaisir. Mais en même temps, le réchauffement climatique, si on est capable d'expliquer que par exemple, ce que vous lisez dans la presse sur la Syrie, sur ce qui se passe en Syrie, sur ce qui se passe en ce moment en Afrique de l'Est où il y a une famine considérable, c'est aussi lié au réchauffement climatique ? Et au fait que des pasteurs n'ont plus de quoi nourrir leurs troupeaux, et que la Syrie, pendant les 5 années de sécheresse qui se sont succédées, des paysans ont afflué dans le cœur des villes et ont contribué à cette explosion sociale qui a été extrêmement réprimée. Et quand on parle du réchauffement climatique, il faut qu'on explique qu'aujourd'hui, le problème que l'on rencontre, ou que certains veulent nous dire de celui des réfugiés climatiques, des réfugiés, alors vous savez que maintenant il y a encore les mots, réfugiés ou migrants, donc des réfugiés qu'on ne veut pas accepter, mais c'est peanuts à côté de ce qui va se passer et des conséquences liées au réchauffement climatique avec les réfugiés climatiques. On estime qu'ils seront à peu près 250 millions dans les années qui viennent. Donc c'est ça qu'il faut que nous expliquions. Alors peut-être que c'est la perspective de la catastrophe annoncée, moi je pense que non, comme Laure, parce que les sociétés sont capables de comprendre quand on prend les gens en dessus du niveau de la ceinture, et qu'on leur explique, et qu'on prend le temps de leur expliquer. Et les Français, comme les autres, sont capables de comprendre ça, et de s'organiser pour répondre à ces menaces. Donc la pédagogie, justement, on va en parler avec Michel Goldberg, qui est enseignant à l'Université de La Rochelle. Donc Michel Goldberg, parlez-nous du travail que vous avez fait avec vos étudiants sur le langage de l'écologie, justement.
Alors, comment est-ce que vous avez découvert comment les manipulations Avec les étudiants, on travaille sur des questions liées à l'écologie, mais on le travaille en général sur des questions liées à tous les impacts que peuvent avoir le métier de scientifique dans la société. Dès lors, on va parler par exemple de la disparition des abeilles ou de l'utilisation de plantes OGM ou de la guerre biologique ou biochimique. Et cet ensemble de questions-là doit être abordé dans le cursus universitaire parce que souvent le scientifique est démuni dès lors qu'on lui demande de prendre position sur les impacts sociaux que peuvent avoir les connaissances qu'il a et les technologies qu'il développe. Donc avec mes étudiants, c'est un cours qui est facultatif et je pense... C'est des étudiants en biochimie ? Alors, au départ, c'était exclusivement des étudiants en biochimie et puis ce cours s'est développé. Maintenant, il se donne à d'autres étudiants en sciences de la vie. D'accord. Il se donne également à d'autres étudiants de la faculté des sciences, à la faculté de lettres. Donc, ça touche quand même pas mal d'étudiants aujourd'hui. Et donc, le but de cela, c'est de découvrir les controverses. Qui pollinisera quand il n'y aura plus d'abeilles ? Denis Baupin. Okay. Donc, c'est important d'analyser les controverses et, par exemple, de prendre en compte le fait que, autour d'une problématique telle que celle qu'on a développée ici, telle que le nucléaire ou autre, il y a de nombreux acteurs. Et souvent, on a tendance à négliger les acteurs les plus pauvres, ceux que l'on entend le moins et dont Noël Mamère nous a parlé. Donc, analyser une controverse, c'est par exemple, pour relier à ce qui vient d'être dit avant que je prenne la parole, se demander si certaines personnes ont quelque chose à dire et qu'on ne les entend pas. Les victimes, par exemple, du réchauffement climatique. Donc, simplement déjà une réflexion, mais qui a quelque chose à dire à propos d'une controverse, c'est important. Et puis, un travail qui est difficile à mener également, c'est de comparer les idées principales des différents intervenants. Par exemple, à propos de la disparition des abeilles, bon, il y a des industriels qui prennent la parole, il y a le gouvernement qui prend la parole, les agriculteurs, les scientifiques. Et un travail lourd et difficile consiste à repérer les thèses de chacun d'eux, à repérer les arguments de chacun d'eux et à analyser la solidité de ces arguments. C'est un travail qui est un peu technique, mais à partir du moment où on est capable de le faire, on ne tombe plus dans le piège de slogans tels que vous les avez rappelés, les campagnes électorales qui se résument à quelques slogans, à quelques opinions, à quelques storytelling. Et les étudiants comprennent à quel point certains de ces discours sont d'une très grande pauvreté et ils sont capables d'y faire face. Voilà, c'est un peu ça le... Et quels sont les textes que vous avez étudiés ? Je crois que vous leur avez donné plusieurs textes. Qu'est-ce qu'il y avait comme texte, par Alors, exemple ? Alors, lorsque nous avons étudié la disparition des abeilles, il faut aussi savoir que je suis confronté au fait qu'on ne peut pas étudier toute la problématique de la disparition des abeilles. Donc, on est parti d'un article qui était paru dans la revue Science en 2012. Et c'était le premier article qui montrait, avec les outils de la science... combien des doses très petites d'insecticides pouvaient tuer les abeilles. Jusqu'à présent, les toxicologues travaillaient avec une... Je simplifie un tout petit peu. Travaillaient avec une toxicologie ancienne. On s'intéressait à la dose létale, puis on divisait cette dose par 10 ou quelque chose comme ça. Un peu comme si on s'intéressait à la dose létale pour l'alcool, sans se rendre compte que des doses, petites doses d'alcool peuvent aussi avoir un effet néfaste. C'est la même chose pour le tabac. Eh bien, à partir de cette manipulation, on avait pris des abeilles, on avait mis des petites puces RFID dessus, on avait pu vraiment quantifier le retour à la ruche quand elles étaient soumises à des doses très petites d'insecticides. Il est apparu que des doses très faibles étaient très dangereuses. Et à partir de là, tout le monde a pris position, le gouvernement, et avec les étudiants, nous avons analysé... les communiqués de presse, parce que les communiqués de presse sont des petits cristaux argumentatifs à partir desquels il devenait possible, à partir d'un très petit corpus, d'analyser un ensemble de prises de position. Très bien.
Il nous reste quelques minutes, en fait, ça passe vite. Hein. Oui. Vous avez tous des choses passionnantes à dire. Avant de laisser la parole au public, est-ce que, sauf Stéphanie, vous voulez faire une petite conclusion? Donc, votre livre, donc, c'était vraiment avec la COP21 en vue. Qu'est-ce qu'il en a été de cette COP21? Est-ce que, franchement, ça a fait avancer les choses? Bon, alors, je ne suis pas très bonne en chute, mais par contre, je peux juste raconter une anecdote par rapport au livre et justement à la COP21. En fait, j'ai fait une sorte d'acte manqué, puisque donc j'ai envoyé ce livre à divers éditeurs, et c'est finalement Jean Viard, des éditions de l'Aube, qui l'a... Enfin, on a eu des refus, et puis j'ai eu des... Voilà, mais Jean Viard, donc, qui m'appelle et qui me dit, bon, mais super, le projet, ça m'intéresse, je garde. Par contre, il manque quelque chose. J'ai dit, ah bon, vous n'avez pas toutes les pages? Il me dit, ben non, il manque un chapitre. Je dis, oui, donc c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Je suis désolée. Il me dit, mais non, vous comprenez pas. Vous parlez de la COP21 tout le long, et en fait, on est en février, la COP a eu lieu, donc moi je prends le livre, mais je veux un épilogue. Et donc je me suis dit, ben oui, évidemment, enfin vraiment, l'acte manqué, quoi, le truc, bon ben voilà, c'est passé. Et en fait, c'est, enfin, moi je devrais peut-être pas le dire, mais le chapitre en fait que je préfère, pour lequel j'ai pris le plus de plaisir, d'abord parce que j'ai eu ce sentiment d'être un peu coachée par l'éditeur, et parce qu'il m'a dit, voilà, de nouveau, un entretien avec Noël ma mère là-dessus. Et je l'ai appelé en fait un cadeau d'amour. Et un cadeau d'amour, en fait, ça vient de Lewis Carroll, pour qui faire un conte, donner un conte à un enfant, c'est un cadeau d'amour. Donc le conte devient le cadeau d'amour et conte sont synonymes. Et en réalité, c'est vrai que je n'ai pas justement fait un storytelling, c'est pas moi qui ai plaqué ça là-dessus. C'est qu'en fait, en analysant ce qui avait été dit dans les discours officiels de Hollande et d'autres, j'en parle dans le livre, ben, je me suis rendu compte qu'on nous vendait un conte. Et qu'une fois que la COP21 a été terminée, même si c'est un événement qui est dit historique, là aussi j'ai un peu des réserves sur l'adjectif, mais bon, on ne va pas chipoter, hein, c'est, les linguistes, c'est comme ça. Historique, effectivement, un grand rassemblement, un happening planétaire, c'était ça qui était le terme le plus en vogue à ce moment-là. Malgré tout, ça a été, pour revenir à ma langue d'adoption, business as usual. C'est-à-dire que juste après, on a eu le rajeunissement des centrales, l'homophonie entre exploitation et exploration de gaz de schiste qui permet à un moment donné de contourner plus ou moins la loi Jacob, d'essayer d'en faire quelque chose d'autre que ce que ça n'est, qui a été signé en 2011. Chose d'ailleurs à laquelle s'était attelé Arnaud Montebourg, puisqu'il avait essayé de vendre au gouvernement, j'en ai fait un article qui vient de sortir, universitaire, donc la fracturation hydraulique, à savoir une fracturation tout à fait propre. Bon, évidemment, vous n'êtes pas écologique, vous n'êtes pas du tout tombé, les verres ne sont absolument pas tombés dans le panneau, mais c'était bien ficelé en tout cas. Bref, donc tout ça pour dire que ça a été business as usual, en tout cas dans ce que moi j'ai pu trouver comme discours, hein, je ne suis pas politologue. Et c'est vrai que dire que ce livre n'a pas pour vertu d'apporter quelques solutions, oui, que ce soit. En revanche, s'arrêter de la même manière que Laure le fait, ou que Monsieur Goldberg le fait avec ses étudiants, ou moi avec les miens, ou de s'arrêter sur ces représentations et de les fissurer, comme dirait Barthes, déjà, pas juste pour tout démonter, mais déjà de commencer à nettoyer un petit peu tout ça, d'où l'expression de écologie du langage donnée par Salmon, le nettoyer et de là voir comment est-ce qu'on peut avancer. Je pense que les choses avancent sur le plan local, me semble-t-il. Ouais. Mais effectivement, en matière de représentation, on n'y est pas encore. Et c'est très visible dans les micro-trottoirs que vous avez faits. Les gens sont pris au dépourvu, quoi. Voilà. Ouais. Noël, ma mère, j'ai une petite question que je voudrais vous poser. Oui. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle. Pour cette fois, je crois que c'est la première fois, il n'y a pas de candidat vert. Donc le candidat s'est désisté en faveur du candidat du Parti Socialiste. Est-ce que vous pensez que les Verts vont pouvoir faire entendre leur parole quand même dans ce brouhaha actuel? Ah, je pense que pour cette fois-ci, c'est râpé. Ouais. Là, il semblait bien, mais bon. Non, c'est pas d'ailleurs lié. Je pense que Yannick Jadot était un bon candidat. Oui. Je pense que... Oh, c'est la tournure de la campagne qui fait... Si vous voulez, on a été pris dans une sorte d'illusion. Ça fait 40 ans qu'on pleure, à juste titre, sur le fait que la gauche traditionnelle, le Parti Socialiste et le Parti Communiste,
qui se sont construits dans les conquêtes sociales, dans l'industrialisation, dans une certaine idée du progrès, dans une certaine conception de la croissance. On s'est plaint pendant 40 ans qu'ils ne comprenaient rien au projet écologiste. Et voilà qu'arrivent deux candidats, Mélenchon dans un premier temps, et Hamon dans un deuxième temps, qui intègrent l'écologie dans leur projet et qui en font un moteur. C'est ainsi qu'Hamon peut dire « je ne serai plus jamais socialiste sans être écologiste ». Donc on a considéré, peut-être s'est-on trompé, que c'était l'opportunité ou jamais, le moment ou jamais, d'essayer de construire quelque chose qui allie ce que, c'est pas moi qui ai inventé cette expression, qui permette de mettre en œuvre la sociale écologie, ou en tout cas de proposer aux Français un contrat qui ne soit plus simplement un contrat social, mais un contrat social et environnemental, tenant compte de ce que proposent les écologistes. Et on s'aperçoit que pour des raisons qui nous échappent complètement, le candidat en question, Benoît Hamon, est complètement effacé, en tout cas va sans doute plonger encore un peu plus. Je pense qu'on est dans une situation qui ressemble furieusement à celle de 1969 pour le Parti Socialiste, avec un Jean-Luc Mélenchon qui porte bien la question écologique, mais avec lequel nous avons quand même quelques différences, notamment sur ce que devrait être l'Europe, sur ce qu'on appelle en termes un peu pédants le campisme dans lequel fonctionne toujours Jean-Luc Mélenchon, à savoir qu'il y aurait toujours, même si c'est Poutine et Trump, deux camps dans le monde. Et puis cette question qui est une question essentielle, mais dont on ne va pas parler ici parce qu'on n'a pas le temps, qui est la question de sur quoi s'appuie la souveraineté. Est-ce qu'elle s'appuie sur les États-nations, ou est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation et du fait qu'il y a des interactions, on ne peut plus se limiter à cette question de l'État-nation et regarder d'une manière plus globale. Et donc ça pose des problèmes. Alors, pour vous répondre, bien, je pense que c'est le jour d'après qui va compter pour nous. D'accord. Est-ce que nous serons capables de, dans ce chaos politique qui est une vraie crise de régime qui ne porte pas son nom, là encore on est dans le déni, est-ce qu'à partir de ce chaos on sera capable de porter, de reconstruire et de construire un vrai projet de société qui, dont le moteur soit l'écologie? Moi j'ose l'espérer. Je regarde autour de moi et je m'aperçois qu'en Hollande, un jeune candidat de 30 ans, candidat vert, portant un vrai projet de société, a été l'un des outils qui a permis de freiner l'extrémiste peroxydé qui menaçait l'équilibre politique dans ce pays. Et si je regarde encore au-delà, ce ne sont pas forcément des politiques, ce sont des gens qui n'ont pas forcément d'étiquette politique, mais qui sont au cœur de l'action. Il y en a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu partout, et c'est ceux-là qui sont les graines qui permettront peut-être d'arriver à ce que ce monde soit supportable pour nos enfants. Mais en même temps, est-ce que la somme des petites actions peut construire une alternative? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, n'en suis pas sûr. Laure Noëlla, qu'est-ce que vous nous préparez? Vous faites d'autres chroniques Bridget Kyoto. Vous avez, je crois que vous m'avez parlé aussi de films. Sur quoi vous travaillez? Alors non, Bridget Kyoto, elle existe moins en minutes nécessaires que désormais en fil d'actualité sur Facebook, grâce à Eric qui alimente tous les jours de nouvelles et qui fait réagir sur l'actualité, etc. Donc là, il y a quand même à boire, à manger, et beaucoup d'informations intéressantes. Pour ma part, je réalise des films. Alors oui, vous allez me dire que c'est anxiogène. Le prochain, ça sera sur Arte, le risque terroriste appliqué aux installations nucléaires. Donc c'est sûr que là, on rentre dans une autre dimension. Ça fait frissonner. Une autre dimension, c'est plus la dimension de la sûreté nucléaire, mais c'est la dimension de la sécurité nucléaire, qui n'a jamais été vraiment abordée. Voilà. Et puis sinon, après, je m'attaque à la reproduction artificielle de l'humain, à savoir l'émergence de... Alors, dans ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir, je veux quelque chose, je le désire, j'assouvis ce désir. Bon, bah, c'est pour tout
tous ceux qui sont dans une forme d'infertilité sociale aujourd'hui, qui n'ont pas d'enfants, des femmes seules ou des couples homosexuels, pour qui la possibilité de faire un enfant est assez impossible, on se rue donc sur les nouvelles techniques procréatives et on marchandise l'enfant qui devient à la fois un droit et un produit. Je travaille sur des choses encore très riantes. Michel Goldberg, pour terminer, vous êtes sur quel vous êtes toujours sur ces problématiques de langage ou est-ce que vous avez changé de... Je reste sur problématiques de langage parce que le maître de conférence, l'enseignant universitaire, il a quand même l'extraordinaire chance de pouvoir choisir son thème de recherche. Et cette liberté, on le paye pour être libre. Et il l'oublie peut-être un peu trop souvent. Et pouvoir travailler au développement de la pensée critique de nos étudiants pour qu'ils soient capables de prendre position par rapport aux défis à venir, ça m'a l'air d'être un très très beau projet. D'ailleurs, l'université, elle a été faite pour ça. Quand on lit les textes fondateurs au XIXe siècle, il fallait que dans la société, il y ait un lieu où on puisse penser librement. Et penser librement, quelque part, ça s'apprend aussi. Il faut savoir décoder, repérer les arguments fallacieux, repérer ce qui, dans le langage, nous perd. Parce que si le langage, c'est la seule alternative à la violence, on n'a pas d'autre façon de régler nos conflits, le langage est aussi source de violence. Et mon projet consiste, d'une part, à vivre dans une société de conflits, c'est la chose la plus naturelle du monde que de vivre dans des conflits, mais de gérer ces conflits d'une façon qui ne suscite pas toute forme de violence. Donc je reste dans ces projets-là. Merci. Oui, bonjour. Il se trouve que, Noël va comprendre, on était dans une dynamique verte il y a environ 15 ans, avant que Noël, ma mère, ne soit candidat, puisque c'est moi qui, entre autres, ai écrit le programme Agriculture de 2002, en collaboration avec toute l'équipe des Verts. Il se trouve aussi que dans ma vie active, j'ai pu fréquenter beaucoup de monde. Pierre Pellerin, ça ne va pas forcément vous évoquer autre chose que Tchernobyl. Vous avez parlé tout à l'heure de l'agriculture écologiquement intensive. Parce que j'ai été la caution écolo de ce machin, j'ai été très proche de la future présidente définitive de la FNSEA. On est vraiment dans un système, oui, où on n'a pas encore, en tant qu'écolo, transmis que notre société était dans un état de dépression complet. Comment on fait, je ne sais pas. Mais les solutions politiques ne marchent pas dans le système français de la Ve République. Donc voilà, je relance Noël pour lui dire comment est-ce qu'on revient dans une dynamique verte. Cette dynamique verte, c'était la tendance au sein des Verts qui a réussi, avec une autre, à amener Noël à la candidature dans une bagarre qu'on ne va pas réévoquer ici, c'est totalement inutile. Voilà, donc comment revient-on dans une dynamique verte dans notre société d'aujourd'hui qui est verrouillée? Il y a un autre paysan dans la salle que j'ai vu, on est en train, des paysans bio, de crever parce qu'un ministre fait ce qu'il faut pour qu'on ne soit pas payé. Il fait ce qu'il faut pour qu'on ne soit pas payé. Il prétend qu'ils n'ont pas les logiciels pour nous payer. Ok. Voilà. Monsieur, ma mère. Il n'y a pas une réponse univoque, là encore. Si on veut que les écologistes puissent compter dans les politiques publiques, il faut déjà réformer le système électoral. Je donne souvent cet exemple. J'ai eu l'honneur de faire partie des 7 premiers députés écologistes de l'Assemblée nationale en 1997. En 1997, les Verts français ont fait 7,5% de moyenne aux élections législatives. Les Verts allemands ont fait exactement le même score. Nous avons été 7 députés français, ils ont été 51 députés au Bundestag. Ça change complètement le rapport de force, bien évidemment. Il y a ça, donc le système électoral, c'est-à-dire ne pas arrêter cet argument fallacieux selon lequel la proportionnelle ferait entrer le Front National à l'Assemblée. Il est déjà dans la société, et donc il faut arrêter de nous expliquer ça. Et la proportionnelle en Allemagne, c'est 50-50, et il n'y a pas d'extrême droite au Bundestag allemand. Donc on vient de m'expliquer en quoi il y aurait mécaniquement un avantage porté au Front National. Le deuxième élément, ça dépend aussi de la capacité des écologistes à formaliser de l'écologie politique.
à être capable de formaliser politiquement une demande qui vient du terrain. Mais ce qu'on constate, c'est, on le constate dans le film Demain, on a pu le constater dans le film que j'ai fait avec Philippe Borel pour Arte, qui s'appelle L'urgence de ralentir, où on voit bien qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises collectivement à un petit niveau, au niveau local, ou au niveau micro, on va dire, mais qui se sont éloignées complètement de la politique, qui ne croient plus en nous. Et donc tout le travail, c'est un travail de réconciliation avec la société. Et je pense que ça sera beaucoup plus long que nous l'imaginons. Et ça ne se fera pas sur 2 ou 3 ans, c'est sans doute un cycle qui est appelé à se développer pendant une bonne dizaine d'années. Quand tu parles du ministre de l'Agriculture, tu as évoqué 2 personnages, dont un que je connais bien, puisque j'ai été en procès face à lui pendant 10 ans, le professeur Pellerin, qui était le patron du SCPRI, le Service Central de Protection des Rayons Ionisants, au moment de la catastrophe de Tchernobyl. Il se trouve que je présentais le 13h à cette époque, et que nous avons mis, que j'ai mis personnellement plusieurs jours, à faire accepter aux journalistes dits scientifiques de dire que le nuage avait franchi les frontières de la France, alors que les images des EVN, c'est-à-dire les échanges internationaux, montraient qu'en Suède, en Allemagne, dans tous les journaux télévisés, on expliquait qu'il avait franchi les frontières. Et les temps a passé, un jour je suis invité dans une émission de Thierry Ardisson à côté de Michel Pollack, qui fait référence à un livre formidable que je vous recommande de lire si vous ne l'avez pas lu, d'un prix Nobel, il est devenu prix Nobel depuis, qui s'appelle La Supplication de Svetlana Alexievitch, qui parle de Tchernobyl. Et donc Michel Pollack évoque ce truc, ce livre, et je me souviens, j'ai dit tiens, je me souviens, je présentais le 13h à cette époque, il y avait un sinistre personnage qui s'appelait le professeur Pellerin et qui nous expliquait que le nuage n'avait pas franchi les frontières de la France. Il m'a attaqué en justice, non pas pour sinistre personnage, mais parce qu'il n'a jamais dit textuellement, j'ai perdu en première instance, en appel, en cassation, je suis allé devant la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné le gouvernement français et le procès a été révisé puisque j'étais condamné pour diffamation. Donc c'est pour te dire que le lobby, il est puissant. Le professeur Tubiana et quelques autres sont venus témoigner pour dire que le nucléaire, c'est formidable. Mais quand tu parles de la FNSEA et de Mme Lambert, qui est la future présidente, ben, il faut peut-être évoquer quand même celui qui l'a précédé. Celui qui l'a précédé, c'est le patron d'une pieuvre qui s'appelle Avril Sophie Protéol, qui est propriétaire du port de La Rochelle, qui profite des avantages fiscaux sur ce qu'on appelle les biocarburants, qui n'ont rien d'autre que des agrocarburants, qui en plus occupent des terres qui pourrait être cultivé, et qui est sans doute celui qui aujourd'hui, sa société, est une société qui ramasse beaucoup d'argent grâce à cet avantage fiscal sur les agrocarburants. Il a des filiales qui sont aujourd'hui présentes dans des projets de ferme-usine. C'est-à-dire qu'il est le représentant de paysans qu'il est en train de flinguer. Et à côté de ça, il y a la Confédération paysanne qui se bat pour ce qu'on appelle l'agriculture paysanne. Et effectivement, aujourd'hui, tous les ministres qui se sont succédés, d'abord beaucoup de ministres, il faut regarder comment les choses se passent, beaucoup de ministres de l'agriculture étaient avant des responsables syndicaux. Ça a été Michel de Baptiste, puis François Guillaume, qui sont devenus ministres de l'agriculture. Mais ils sont d'abord ministres de certains agriculteurs, mais pas de l'agriculture. Et quand on a reçu, nous, Laure pourrait... Je suis sûr qu'elle a suivi ce truc-là. Quand il s'est agi d'interdire les néonicotinoïdes, eh bien, le ministre de l'Agriculture a écrit aux députés pour leur dire de ne pas voter cela. Donc on a pris des engagements sur la réduction des des pesticides de moitié. Est-ce qu'on l'a fait ? La réponse est non. Et effectivement, l'agriculture biologique, aujourd'hui, elle est beaucoup moins aidée que l'agriculture intensive. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on ait tant de difficultés. Et que la malbouffe, parce que c'est ça la réalité, que la malbouffe soit toujours... C'est elle qui prime aujourd'hui. Et je vous rappelle que aujourd'hui l'alimentation est un des marqueurs des inégalités les plus criants. Parce que la malbouffe, c'est non seulement ce que disait Laure, un steak c'est 15 000 litres d'eau et 15 litres d'essence, mais c'est aussi 2 symptômes de la pauvreté que sont liés à la malbouffe, que sont le diabète et l'obésité. Un chef d'Amérindien qu'on voit pleurer parce qu'il pense qu'il a tué un singe de trop dans sa chasse pour se nourrir et qu'il a trop pris à la nature. Donc quand on a des gens qui ont une relation aussi
on va dire, spirituelle ou naturelle avec la nature, la conscience d'appartenir à la nature, les comportements écologiques vont de soi. Dans la société où l'on vit, où les principaux vecteurs de communication, qu'ils soient commerciaux, publicitaires, qui nous influencent, poussent à la consommation, à l'individualisme, etc. Donc comment on peut arriver à développer un récit ou un discours qui va faire que les gens vont adhérer à l'écologie? Est-ce que ce n'est pas une bataille d'arguments dans laquelle la puissance des médias qui sont tenus par les multinationales ou même la puissance du discours publicitaire est telle que... Comment vous voyez ça en tant que politique, en tant que linguiste? Comment démonter ou créer ce récit symbolique qui n'existe pas chez nous et en tant que chercheur, quoi. Juste un truc, est-ce que vous demandez aux gens d'adhérer au cancer? Non. Alors pourquoi l'écologie, on lui demande tant de choses, de ne pas être anxiogène, de ne pas être réaliste, de ne pas être lucide, de ne pas être factuel finalement? C'est là, c'est comme ça. Pourquoi faudrait-il que les gens y adhèrent? C'est là. Quand vous allez voir un médecin et vous dit vous avez un cancer, vous allez vous soigner, vous faites gaffe. Vous allez vers le soin. Et c'est ça que je trouve hallucinant. C'est quand je vais essayer de vendre un film à Arte ou ailleurs, d'ailleurs, parce qu'Arte n'est pas meilleur que les autres. C'est anxiogène. Mais c'est anxiogène, mais je suis désolée, mais la vie, ta vie est anxiogène. Ton mari qui te quitte, ta nana qui se barre, c'est anxiogène. Les enfants, je ne sais pas, tout est anxiogène. Donc pourquoi est-ce qu'on demande à ce dossier-là particulièrement d'être au-dessus des autres? Moi, c'est un truc, je ne sais pas quoi répondre à part ça. Sur les Indiens, juste une petite parenthèse quand même. Là, je me permets d'intervenir parce que je suis allée sur le terrain. Donc j'ai eu la chance de faire partie d'une mission scientifique où nous sommes partis dans le Montana, à côté du Dakota du Nord. Dakota du Nord qui a été transformé en paysage totalement lunaire, puisque c'est là que la fracturation, et donc gaz de schiste et pétrole de schiste, ça bat son plein. Bon. L'État voisin, le Montana, a des réserves indiennes, dont deux que j'ai visitées. Et au moment où j'y étais, il y a 3-4 ans de ça, on était donc dans une réserve qui est au nord, à la frontière avec le Canada, qui d'ailleurs s'étend sur le Canada, dans le parc naturel de Glacier Park, donc, où vous avez donc une tribu d'Indiens. Et cette tribu, il faut quand même savoir, je pense que c'est important de remettre un petit peu les choses, les représentations en place. Effectivement, il y a une dimension spirituelle qui est encore là, dans ces réserves, c'est vrai. Cela dit, 80% de taux de chômage, un taux d'alcoolémie, de suicide, de problèmes sociaux énormes, qui fait qu'en fait, les Indiens sont propriétaires de leurs terres et de ce qui se passe en dessous également. Et donc, des négociations ont eu lieu pour éventuellement opérer une exploitation de gaz et pétrole de schiste dans cette fameuse réserve dont je vous parlais. Et donc, des tractations ont été opérées entre des grosses compagnies pétrolières et des Indiens. Et il faut savoir qu'à un moment donné, la discussion a tourné court. Et elle n'a pas tourné court à cause d'une dimension spirituelle. Elle a tourné court parce qu'il n'y avait pas assez de dollars sur la table. Voilà. Donc je ne dis pas que c'est ça, je ne veux pas détruire un mythe, je veux juste à un moment donné rappeler quelle est la réalité de réserves indiennes et de ce qui s'y passe et pourquoi les Indiens du Dakota du Nord ont finalement succombé au chant des sirènes, parce qu'en fait, parce qu'à un moment donné, ils sont humains, ils peuvent être spirituels, tout ce que vous voulez. Et donc, juste pour finir, c'est une histoire qui m'a été racontée donc, par des sages, en fait, qui m'a expliqué qu'ils ont organisé les sages, parce que ceux qui sont le plus tentés par ces tractations sont effectivement les générations les plus jeunes. Et donc ces sages ont pris toute une partie de la population plus jeune de cette tribu et l'ont amenée dans le Dakota du Nord, cette population-là, par bus, pour leur dire, voilà, vous voulez ça chez vous? Vous voulez, ça vous dit qu'on fasse comme ça? C'est ça que vous perdrez et ça, on vous le rendra jamais. Voilà. Oui, mais on peut, à rebours de ce que dit Stéphanie, qui est très juste, mais il y a un très beau combat qui est mené en ce moment contre la... réouverture d'un pipeline qui est chargé d'amener le pétrole bitumineux d'Alberta. C'est le combat de Standing Rock
les Indiens qui ont mené un combat absolument formidable. Bon, ils ont été virés de leur campement, mais c'est pas fini. Cette histoire ne fait que commencer et elle est très intéressante parce qu'elle n'est pas simplement la défense d'un peuple amérindien, d'un peuple premier qui défend son territoire et sa relation à la terre, mais il est adossé, enfin il est appuyé par de nombreux autres mouvements aux États-Unis qui ne sont pas directement attachés à la culture, à la préservation des peuples premiers, qui sont des mouvements des droits civiques, des mouvements environnementaux. Et ils arrivent, à partir de ce combat, à fédérer d'autres revendications de ce que j'appellerais cette Amérique insoumise. Et donc je pense que c'est très intéressant. Mais pour répondre à votre question, la grande difficulté, elle est culturelle. C'est-à-dire que je faisais référence, comme un pédant tout à l'heure, à Descartes sur la domination de la nature. Et on vit, dans les sociétés occidentales en tout cas, ce qui n'est pas le cas des sociétés indiennes, qu'elles soient d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord, et même vous allez en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou dans certains autres endroits, ou en Nouvelle-Zélande, chez les Maoris, où la relation à la terre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas la même. Mais nous, on est dans cette culture de la domination. Et pour se sortir de cette culture-là, il faut beaucoup plus de temps, là encore, qu'on ne le pense. Donc je crois, très sincèrement, hein, c'est vrai que dans l'homme ne peut pas accepter, il n'arrive pas à accepter qu'il est homme. Donc il va essayer de se rapprocher de Dieu, mais chacun sait, on l'appellera comme on voudra, qu'il ne l'atteindra jamais. Mais ça ne l'empêche pas de se lancer dans des trucs totalement fous qui sont quasiment religieux ou en tout cas scientistes. C'est par exemple le mouvement du transhumanisme qui prétend lutter contre les trois nécessités de l'homme que sont la naissance, la souffrance et la mort, puisqu'il prétend pouvoir nous reproduire, lutter contre la souffrance avec les nanotechnologies, les biotechnologies, et la mort avec la cryogénie. C'est des mecs, des gens comme Ray Kurzweil, qui sont les théoriciens de cette convergence entre les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences cognitives et l'éthique, qui vous disent on va faire l'homme augmenté. Vous savez ce qu'on appelle le cyborg. Mais l'homme augmenté, c'est quoi? C'est rien d'autre que de se mettre les pieds et les mains liés dans la technique. C'est donc une nouvelle servilité. C'est pas du tout une libération. Mais comme on n'accepte pas notre triste condition humaine, on essaie tout le temps de s'en sortir en pensant qu'on est plus fort. Et je pense que les mouvements auxquels on assiste en ce moment, notamment venant de ces pays, de ces contrées que nous avons colonisées, que nous avons, avant de les coloniser, où nous avons imposé l'esclavage, je pense à l'Afrique, qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Je pense aussi effectivement aux États-Unis d'Amérique, qui sont quand même construits sur un génocide, celui des Indiens, puis sur l'esclavage. Mais que tous ces gens-là ont aujourd'hui beaucoup de choses à nous apprendre et qu'on est en train de redécouvrir ce qu'elles peuvent apprendre à nos sociétés de domination et nos sociétés qui se pensent plus fortes que Dieu, voilà, ou que Prométhée. Et c'est ce que décrit très bien Gunther Anders, qu'il appelle ça la honte prométhéenne. Et bien on s'aperçoit que notre rêve de Prométhée tourne en ce moment à la honte, et c'est ça qu'il faut résoudre. Oui, bonsoir. Ma question s'adresse en partie donc à Laure, donc, qui est cinéaste, sur justement ce qu'elle pense d'un film que j'ai eu l'occasion de voir donc, il y a maintenant peut-être un ou deux ans, et justement qui a été diffusé sur Arte, qui s'appelle « Nature, ce nouvel Eldorado de la finance », et qui traite d'une question cruciale qui nous concerne tous, qui est que un certain nombre de multinationales sont en train de marchandiser la nature et le vivant par le biais des biobanques, par les banques liées donc au carbone, mais il y a également donc des espèces qui sont déplacées pour construire des aéroports, pour faire donc des travaux d'envergure, avec un système de compensation qui finit par faire en sorte qu'en réalité l'ensemble des éléments qui constituent la nature deviennent des objets de prédation et des objets qui permettent de faire des plus-values substantielles.
Et est-ce que vous ne croyez pas, comme finalement le montre très bien le film donc Eldorado, enfin Nature, ce nouvel Eldorado de la finance, qu'en réalité nous sommes confrontés à ce détournement donc à très très grande échelle, qui va faire en sorte que finalement des personnes qui n'ont que pour objet de construire des profits considérables vont se faire passer désormais pour des écolos bontins. Juste pour dire justement qu'il est sur Arte, qu'il y a un livre, il est passé sur Arte, que c'est quand même un peu la dernière chaîne qui essaye d'explorer et de décortiquer, de déplier les questionnements qu'on a tous. Malheureusement, il n'y a que 3% des gens qui la regardent. Peut-être tout le monde est là. Tout le monde est là maintenant. Et c'est ça qui est dommage, ça raconte bien l'oxymore. Mais bon, il y a un livre qui va avec ce film, qui est super, qui creuse beaucoup plus. Parce que comme vous le savez, un film de 90 minutes, vous ne le savez peut-être pas, mais ça doit tenir sur 4-5 pages. Donc quand il y a un livre, c'est qu'on est, on va un peu plus profondément et dans le décortiquage de ce qu'on essaye de raconter. Et juste ce bouquin et ce film et tous les autres, ceux de Philippe Borel que tu as cité, parce que tu travailles régulièrement avec lui, et tous ceux que je vois, enfin, qui sont tous anxiogènes. Je veux dire, j'ai pas vu un film, que ce soit quand ils font un film sur Goldman Sachs, c'est ultra anxiogène. Quand ils font un film sur la fin de la mort sur le transhumanisme, c'est particulièrement anxiogène, etc. Bon, ça fait partie de la vie, quoi. Voilà. Et donc, pour la réponse à la question, oui, bien sûr. Il y a tous ceux qui disent qu'il faut donner un prix à la nature. C'est pas aussi simple que ça. Hein. Oui, c'est la rente solvable. C'est pas aussi simple que ça, oui, parce que alors la rente solvable, ça, il y a la version libérale qui implique la compensation, et puis il y a la version qui est la nôtre, qui est une version qui se règle par le droit, et qui c'est ce qu'on appelle l'extérieur. Pour plus de croissance, et c'est tombé Arte. Mais non, c'est justement pour des gens comme Laure ou pour comme moi, c'est vraiment à peu près le dernier endroit où on peut faire effectivement des documentaires qui parlent de sujets sérieux. Puisqu'elle parle du travail que je fais avec Philippe Borel, on vient de terminer un documentaire qui s'appelle « La fin du travail » avec un point d'interrogation sur la société numérique et qui se termine par les questions posées sur le revenu universel qui devrait être diffusé non pas sur Arte mais sur France 5, oui. Donc la question de ce que les économistes appellent l'externalisation des coûts négatifs. C'est-à-dire qu'on a, dans le produit intérieur, comme dans la richesse nationale, on n'intègre pas tout ce que l'on détruit dans la nature. Si par exemple, on internalisait ce que coûte le transport des marchandises par les camions, hein, 85% des marchandises aujourd'hui sont transportées par des camions, et la SNCF est le premier transporteur routier de France avec sa filiale Géodis. Donc il ne faut pas s'étonner que le fret ferroviaire baisse régulièrement, alors qu'on n'arrête pas de nous dire que ce serait la solution. Si on internalisait ce que ça coûte en pollution, en détérioration des routes, en accidents, c'est-à-dire en blessés que nous payons les uns et les autres, on s'apercevrait que ça coûte beaucoup plus cher que d'investir sur le ferroutage, par exemple, ou le transport combiné. Et donc c'est comment tout ce que l'on détruit dans la biosphère, il faudrait le comptabiliser. Mais le système de la compensation, c'est ce qu'il y a de pire. Puisque c'est effectivement dire, ah ben, puisque je détruis ici, je peux compenser là. Donc il y a plein de projets, vous en connaissez ici, comme chez nous en Gironde, où on détruit des réserves de biodiversité, et on prétend c'est ce qu'il proposait à Sivens, par exemple. À Sivens, ils détruisaient une zone qui était comme à Notre-Dame-des-Landes, où ils sont en train de détruire une zone, ils voudraient détruire une zone bocagère, ils ne le feront jamais. Et ils disaient, mais on va compenser à je ne sais plus combien de kilomètres dans des conditions qui n'ont rien à voir avec une réelle compensation. Je voulais juste intervenir brièvement par rapport aux personnes qui nous interrogeaient sur la création d'un récit écologiste ou sur le fait qu'on pourrait évoquer dans notre travail Nuit debout ou d'autres mouvements politiques. Je pense que le travail de l'enseignant, c'est de donner à l'étudiant, de l'aider à trouver des outils pour créer sa propre pensée, créer son propre récit, mais certainement pas de le lui proposer. Ce serait une lourde erreur de la part de l'enseignant, même si lui, l'enseignant, peut avoir une conception écologiste du monde, de transférer cette conception-là auprès de ses étudiants. Mais ça s'appelle le droit de réserve que nous avons en tant qu'enseignants. Merci à tous les quatre. Donc je vous propose, si vous voilà, de les retrouver tous les quatre sous le Tivoli pour les dédicaces et éventuellement d'autres
questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tout le monde.